Alors, ça, comme on l'a expliqué, je pense qu'il y a eu un bris sur un lien, un fil de C3F. Il n'y a pas d'Internet dans le secteur ici, mais pour l'instant, c'est vraiment un bris physique de fibre optique. Je vous rappelle qu'on est, on a pris l'habitude de reconnaître le fait qu'on est en territoire Algonquin-Anishinaabe, non cédé. Donc, en fait, aussi pour féliciter le chef de l'Ouindep, la communauté Kitikandjigi, pour leur dernière édition, c'était en fin de semaine du power annuel de nos voisins à Kitikandjigi. On a une seule modification à l'ordre du jour, c'est l'ajout d'un document déposé. C'est en fond un rapport de consultation qui a été complété aujourd'hui par rapport au projet de règlement sur la division du territoire, ça c'est territoriaux. Sachez qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas une autre étape là, qui est franchie ce soir. Tout ce qu'on fait, c'est de déposer un rapport qui résume les différents points qui ont été exprimés lors de la rencontre de lundi dernier. Voici ce qu'il y a pour ça. C'est difficile de voir à l'écran, mais vous avez, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour. Donc, je vais demander un proposeur pour la révision de l'ordre du jour. Proposeur M. Claude Giraud, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Et puis, on va y aller avec la première période de questions. Il y a une deuxième période de questions à peu près à mi-chemin lors de la rencontre. Puis, si vous voulez poser des questions en anglais, ça va vous faire plaisir de répondre en anglais. So, know that there are two question periods. And feel free to ask a question in English and I'll respond to in English. Donc, are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On m'a donné une liste qui me suit. Oui, je vais y aller avec Grant Karsich. Si je m'excuse, j'ai mal. Oui, vous pouvez aller prendre le micro. Can you pronounce your name for us, Grant? Grant Karsich. Oh, just an instant. Karsich. Yeah. Can you say that? Okay, my name is Grant Karsich. Yep. Okay. Si vous m'excusez, s'il vous plaît, parce que je parle seulement en anglais. Désolé. Okay, I don't want to butcher the French language to explain this, and I wouldn't be able to. So I'll say, I live on Chemin de Granit, and I'm here about two neighbors' properties that have industrial equipment. They're against the municipal bylaw. Okay. It's an issue that's been going on for over 2 years. I bought a house here over 2 years ago, first time in Quebec with my wife. And when we bought the house, the neighbor that was in, Jean-Key, can I mention him? Anyways, he's in next door, number 25. I'm 25, he's 27. And I was told that the equipment would be soon moved. And here we are over 2 years later. The other neighbor in front of me on number 26, his name is Stefan, we bought the house from him. He also has equipment, one piece, in the front yard. Stefan and Jean-Guy were kind of caught, were partners that were selling the property. Okay. Now, Stefan just has a backhoe sitting on the curb in front of the street. I've telephoned him many times. He says, don't worry, I'll get to it in the spring. Or last time he said, well, I've got a seller for it. It's going to be gone soon. I don't believe it. The other one, Jean-Guy, has over 8 pieces of industrial equipment on his property. It's a small property, but it's all bundled together, trucks,
big backhoe. Then he's got extra storage equipment and then the mobile home. Now, I've asked the city what's allowed. They told me maybe one piece of industrial equipment can be used and no more. And the city has been down there to this property next door. In the last 2 years, I've seen municipal people come with their vehicles, take pictures, etc., but nothing's happening. And last week, I talked to Claude Clavé, the assistant inspector. He said he's aware of the problem, and he thinks that something will be happening later this year, but nothing definitive. I talked to my neighbor, Jean-Guy. The last 2 months, he's been saying, well, I have someone who's going to come and buy this next week. The next week never comes. So I don't think anything's going to happen. And the reason I'm concerned is because of my property values. If I have to sell, and I might at some point, I might not be able to even sell because of the mess next door. So I'm looking into maybe legal action. And if I go into something like that, I have to get the municipality involved. And it becomes very messy for me, for you, for the neighbor. Anyways, I do have some documentation and pictures on that. I did talk to Councillor LaRock for the last several months. I think I emailed you too, saying that I'd like to talk. So it's an issue that's not going away and there's no resolution yet. Yeah. Okay, so I'd be curious, do you know whether your neighbors are contractors, like do they do work for people outside of their properties with their equipment? Yes. I can't speak for Stefan because he lives somewhere in Gatineau and now he said he's moved to Montreal, so I don't know. But he has a backhoe that's been sitting there for over 2 years, right in front on the street, so that's all I know. Jean-Guy, who has the bulk of the equipment, has not been doing any construction work at all. Thank you. He's got a house that he hasn't even finished putting siding on. Now, I know he had COVID 2 years ago. He was in the hospital, and but he came back over a year and a half ago. And from what I've seen, he's healthy, he's okay. Thank you. And he's cutting the wood. He had a number of logs there about a month ago that he cut into timber. Mm-hmm. So, but that, he says it's going to be, some is going to go to his daughter's house somewhere else, and some maybe for siding on the house, which he hasn't put up yet. Yeah. But there's no construction going on. Yeah. So, yes, I'm aware that the Urbanism Department is on the case, right? And I know that there's been communication between the Urbanism Department and your immediate neighbor. I also received a call last week from I think I believe it's Mr. Lesage, right? And it's the first time that I made the connection, but and I don't know how municipality has operated in situations like this in the past, but and I don't know whether this is factual or not, right? Like, so now you're coming tonight and you're telling council about this, and someone else mentioned this same issue from another perspective. So. According to your neighbor, he's the man who developed and a lot like subdivided this neighborhood, right? And he says like so there are typically two main kinds of operators in people who develop, right? There are people who are who will hire businesses to come and build a road and it's a much bigger scale, and then there are people who on their own develop a piece of land that they've used to own or they've purchased, right? And they do it little by little. So my understanding is that Mr. Lesage is doing this as was the case, this is how Lapeche was built, like, for the most part, but people would, have family land and they would little by little develop it. I believe that he also builds home and sells built home for clients, right?
So it's an interesting case, and it just came to my attention that this is not like a company that offers, and there are cases like this in Lafayette where a company has grown over the years and they're offering services to the outside, right? And there's a lot of going in, you know, back and forth, and that's a problem. It's called conflit d'usage. I don't know how the municipality has operated when a developer is just little by little building a development, you know, and building homes. Like, I don't know whether the rules are exactly the same. So it's something that we have to look into. But I don't have more information. And what I just told you, this may be hearsay. I have to verify the facts, you know, but this is where this case is right now. Can I point out something quickly on that? This is something that's been there for 2 years. We would not have moved in without the promise of that the equipment would be gone. So right. His partner assured us that. And it's been there for 2 years. I've been talking to the city years ago about this. Yeah. And they were looking into it all that time. Right. There's been no construction by Mr. Lesage since then. So all I understand is it's against the bylaw. You can have one piece of construction equipment, but not eight. Correct. Plus extra stuff. You should see the... Go take a look. It's a jumble of stuff. Equipment is not even partly operable. It's old, okay. And who knows if it's even usable. Thank you. I mean, thank you for the and again, like the department is like looking into the urbanism department and Mr. Clavel, which is that. That's what they've been telling me for 2 years. Thank you. Madame Ginette, thank you. Ce soir, on adopte le règlement. C'est une animation. Donc ce soir, c'est une animation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le début du processus d'adoption du règlement. Donc je ne sais pas si à partir du moment où il y a une animation, il peut y avoir des changements au niveau de l'administration. Ce soir, il y a une animation. Quand le conseil fait une animation, le conseil avise la population qui va se prononcer sur l'adoption d'un règlement d'urbanisme, puis il dépose un projet de règlement. Donc, à l'urbanisme, ils vont dire non encore. Monsieur Léo? Le règlement n'est pas adopté, malheureusement, c'est ça qu'ils disent. Okay. On m'a dit que c'est juste une technicalité, mais je ne sais pas dire. Madame Léo, pour nous guider un peu dans notre règlement, vous en voulez combien de cailles? 10, 12. 10, c'est bon? C'est 12. Donc, le monsieur à l'urbanisme aussi me dit que c'est important d'écrire. Il dit si ça passe, c'est important d'écrire le nombre d'oiseaux là, pour pas que je retourne et dise ah, ben là, oui, c'est bon, ils n'ont pas dit combien. Fait que rendez-vous, ça ne vaudra pas la peine. C'est pour ça qu'on a, on en avait discuté, est-ce qu'il y a moyen d'adopter une résolution, parce qu'on reconnaît tous au sein du conseil que c'est pas un enjeu qu'on vous le dit clairement. Puis vous êtes très strict, vous voulez vraiment que ce soit fait selon les règles de l'art. Les règles de l'art, ça prend du temps en urbanisme. Donc on modifie le règlement en conséquence. Mais si. Fait que t'as peut-être encore un mois ou deux, moins qu'une séance extraordinaire. Ce sont les étapes normales d'adoption de règlement. Merci. Vous savez. Madame Jill Watkins. Bonjour. Je suis ici pour un groupe communautaire qui s'appelle H2O Wakefield. Petit groupe qui s'occupe avec des problèmes de l'eau souterraine, de l'eau de pluie. Puis on a fait récemment une pétition
pour protéger notre eau potable du développement et du changement climatique. On a eu une réunion publique semaine passée, je pense que c'était mercredi. Le maire était là, aussi M. Giroux et M. Gerbert, merci. Puis je suis ici pour déposer cette pétition avec tous les signataires et de demander une réponse dans ce délai raisonnable. Je voudrais juste dire un petit peu en ce qui concerne la pétition. Les signataires de la pétition sont préoccupés par les risques importants sur leur eau potable. Nous dépendons tous des eaux souterraines. Les risques liés à la mauvaise qualité de l'eau et la disparition des puits peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé et la sécurité, ainsi que sur la valeur des propriétés. Les signataires de la pétition demandent à la municipalité de tenir compte de leurs préoccupations et de protéger la qualité et la quantité de notre eau. Plus précisément, H20 Wakefield demande que la municipalité entreprenne une étude hydrogéologique de la zone située à l'intérieur du périmètre urbain de Wakefield. C'est la partie urbaine de Wakefield. Deuxièmement, nous aimerons que cette étude soit rendue publique, cette étude hydrogéologique, et que cette étude serve de base aux décisions d'aménagement et aux mesures de protection de l'approvisionnement en eau du village, à lumière du changement climatique. Finalement, les personnes qui ont signé cette pétition l'ont fait de bonne foi, en espérant que leur information personnelle resterait confidentielle. En remettant cette pétition au maire et au conseil municipal de la pêche, H20 Wakefield demande respectueusement que cette confidentialité soit maintenue. Puis, nous avons reçu en total 403 signatures, dont 199 personnes dans Wakefield, c'est-à-dire dans la région couverte par le code postal J0X3G0. Puis de plus, 51 de plus de personnes dans le MRC des collines, sauf Wakefield, et en plus, 153 signatures externes qui nous soutiennent. Ils s'occupent avec des problèmes, peut-être des personnes qui ont des chalets ou qui utilisent le puits sur la vallée, chemin vallée. On a fait cette pétition par change.org, puis aussi en personne avec des papiers. Puis on a fait une combinaison, on a combiné toutes les signatures ici et nous voulons de remettre au conseil pour faire une réponse dans ce délai raisonnable. À qui est-ce que je donne la Merci. Ensuite, il y a Madame Nancy B. Nancy Baker, and I'm also with the HHMO Wakefield, and I want to thank you for coming, and we've been getting a lot of positive feedback from that meeting. I've got at least 12 to 15 messages saying thanks, that was a great meeting, so thank you all for coming. It was excellent. As a result of that meeting, we went back and we reviewed what we've done. So in 2020, we actually did a survey, and it's on our website, and we surveyed and did all the wells surrounding that one development, just because people were concerned about that development. We had an 80% response rate. So we have a good baseline data
of what wells were existing and what the condition was, what the quality was, what the rate was. What we're hearing as community members is that there's more and more wells that are being impacted in that area. So we're just getting the stories, and there was one I read the other night, and then another one today that we just heard about. So after our meeting, we sat down and met and decided to come to you and make a proposal. We were going to redo part A of the survey, which is on our website, but not till next year, because then it would be 5 years. But we're suggesting that we do it now, so then we could then look at how many wells in that area have been impacted upon. And that would allow us as a group, as a council and our group, to say, oh, this area, we need to look at those bylaws. We're missing things. Like when I look at them, I don't see that the different wells. So neighbor A drills a well, but neighbor B's well is not on the application. So we have no idea. There's no data on how many wells have been decommissioned or decommissioned properly. There's no data. So we could repeat part A of our survey and have a better picture of what was happening, and that would allow us to have a database to look at the bylaw and say, oh, we could change this, and maybe it's just small changes, and be able to move forward and ensure the protection of the existing wells, not just for this development, because they are decent developers, but for other developments. Which development is that neighbor? Wakefield Hills. But that's where we did the data code. It's not that we worked with them. They're, you know, it's not, I'm not being critical. It's just that I think the bylaws are not working. And that's a municipal responsibility, not a developer responsibility. So we would like, we're requesting, like three requests, that you review part A of the survey that we did. Look at it, and it's on our website, I can send it to you. Look at it and see, is there some minor changes that we could make that would make the survey more applicable or give you enough information so you could review the bylaws? But you mean the spatial, like the area covered by the survey? No. When you look at, we had an 80% response rate. We gave out 67 surveys. I think it was 8 pages or something, you know, just looking at, you know, quality and quantity. And then that was before we did all the testing, you know, we did the door-to-door testing, and we gave that to Greenland. But we were looking and saying, how many of those wells in the last 4 years have had problems? And it's surrounding that area, and it's not that, you know, it's just that's what's happening. And there's no causal link. I'm just saying we would have a better idea. So we would redo the survey, but if there was information that you could add to part A, if it would make it more applicable, we would be willing to do that. So that's one thing. And then we would also request for the that the participants submit their data to the municipality. So that would be the start of a good back database. And the final thing, I'm just asking if there's any short-term funding that we could access to do some of this, because we've run out of money. So that's my number one question as a result of the petition, and I've sent them to you. Okay. Number two question, and Jill already mentioned it with the petition. When we first started this petition, we were not intending to deal with the spring at all. But then so many people came up and said, can we sign your petition as supporters? Because we're concerned, and we have them for Cantley, Valdemont, Champ, Ottawa, obviously. But there was a lot of people that did sign because of the spring. And we've discussed this before about the bylaw. What I'm asking is, do you have any time frame for when we're likely to get a response to the question about, you know, what is the protection zone around the spring and all that? Okay, so I've noted your questions. When it comes to money available, council will look at it, and the answer would also be to apply to the green fund, like that would be the
like an easy thing to do, like as an addendum to the project that you've done in the past, or as a review of the project you've done in the past. But regarding the area of protection, I've asked, and yeah, they've retraced the resolution from 2014, and I'm still waiting for input, from the administration. I don't know if the information I have at this point is complete, and that's the same thing I said to the lowdown, would ask the same question following the meeting. So, as soon as I have more information, I'll put it up here. Okay. So I think that's it. Yeah. So are you thinking that maybe we should redo part A of the survey? I don't know that the council is able to make a statement on this tonight. Like you've sent me like. I know it's late. I just need to scrap. We'll have a look. Okay. Thanks very much. And as I've said in those previous meetings, il y a un travail qui est fait par le département de développement durable, surtout de la question industrielle. Il y a beaucoup de bonnes questions qui sont soulevées, par exemple celle d'un registre, des puits qui auraient pu s'assécher. Il y a plein de questions qui sont soulevées. Est-ce qu'on peut revoir les zones, la délimitation des zones quand on demande des études néogéologiques? Est-ce qu'on peut revoir les délimitations exigées, etc.? T'sais, il y a des bonnes questions qui sont soulevées, puis que moi je transmets au département pour nourrir leur réflexion. Il y a eu une rencontre en général sur le développement durable, puis toute la question du développement et de l'eau au sein du conseil à la nuit sur l'eau. So all of this is moving along. And, we clearly, there are concerns today that did not exist 10 years ago, and we're slowly taking all of these into consideration and evaluating policy changes and so on. I was just asking about redoing the survey because I would prefer to do it now as opposed to, I'm not doing it in the summer again. I was too much work that summer. But I would like to do it now before the summer holidays as opposed to starting in the fall because then it's a different thing. So, yeah. We'll discuss it in our next meeting, the meeting on Monday. Yeah. Okay, thanks very much. It's a pleasure. Merci. Et ensuite, Madame France Graff, je m'excuse si je prononce mal, France, pour le 604 Rift Schneider Riverside, 604 Riverside. Vous n'avez pas fait ça. OK. Ensuite, Madame Sylvie Lefebvre, 620 Chemin des Érables. Came down and saw my situation. Well, okay.
Madame Lefebvre, ok, il y a deux. On est au courant de la situation. On reçoit vos courriels, vos multiples courriels. On comprend que c'est un travail qui est fait par l'administration. On comprend aussi qu'il y a un petit pour éventuellement corriger là, la question des conflits d'usage. Il y a une situation historique qui est problématique, puis il faut qu'il y ait qu'une entreprise déménage. C'est une entreprise qui a vécu une croissance dans les dernières décennies, puis là, qui doit se relocaliser. Ça, c'est une chose. On sait aussi qu'il y a un dossier qui est ouvert au ministère de l'Environnement. Quand il y a des enjeux environnementaux, quand il y a des enjeux environnementaux qui touchent une entreprise privée, il y a un transfert de la gestion du dossier environnemental au ministère de l'Environnement. Sont les concerts. Ça là, vous posez des questions très précisément sur le règlement, le règlement ARM, c'est un règlement, en fait, c'est un règlement uniformisé, régional, qui est appliqué par la sécurité publique de la MRC des collègues. Oui, je suis au courant. Monsieur a déjà 28 constats. OK. Il conteste. J'attends pour une nouvelle date. Il y a une personne assignée à la MRC pour des bagarres de voisinage. Oui. Ça fait que j'en ai pour 600 déclarations. Ça fait que une personne ne peut pas procéder à toutes mes déclarations. Je comprends. Monsieur Lévis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que vous avez dit, M. Lévis, est tout à fait juste. Je suis en contact avec les gens des collègues de la MRC presque toutes les semaines sur ce dossier-là. Je suis un peu étonné de savoir que. Que le bruit continue? Non. Ah, oh, OK. Non. J'ai personnellement rencontré M. Thompson à 4 reprises pour l'aider à déménager. Ben, moi, quand je suis arrivée là en 2019, il me dit que ça faisait 30 ans qu'il cherchait pour relocaliser son poste. Mais là, comme là, il y a deux garages. Il y en a un en ce moment, puis il y a eu un garage utilisateur à sa résidence, 845. Mais c'est pas sans-dessous du nom de Caroline Mahoney. Sans-dessous, il y en a une partie. Ça fait que deux garages. J'utilise celui au 845, puis j'utilise celui à sa résidence. Pamela, I'm sure you know all that situation. Mais oui, je connais très bien cette situation. Oui. Où j'aimerais personnellement être capable de faire quelque chose. Mais là, il y a deux garages qui utilisent l'amour, puis le encore, ça recommence encore. Ça fait que là, c'est des bagarres, mais je veux dire, tu sais, c'est. C'est tannant, 5:30 in the morning until like how can you relax? Like this man said, the property is going down. Like my property is going down. I have a river polluted in the back. I have a well that is polluted. That means this is out of the question tonight. But Mr. Ma, you know about that situation. That means my property value is gone down. The house is 1920. I had a nice plan for that property, but now it's going, like, what can I do with that property? Like, it's gone, nothing, because Mr. Thompson don't want to move. Ben, en fait, l'espoir du conseil, c'est que M. Thompson puisse avoir une approbation de la CPTAQ pour se relocaliser. Je pense qu'il y a deux... Donc, il avance dans le processus d'approbation avec le CPTAQ. Il
L'objectif, c'est de déménager dans une ancienne carrière sur le territoire de la proximité de son lieu d'opération. Puis la municipalité on appuie M. Thompson. Nous, on veut, des problèmes, des conflits d'usage qui se sont installés au fil des décennies, on en connaît un puis un autre à la pêche. Puis, on sait qu'il y a un resserrement réglementaire, tout le monde. Autant au niveau provincial que dans la conscience citoyenne. Les gens, il y a des choses qu'on tolérait anciennement, qu'on ne tolère plus. Mais là, il faut. La municipalité, on veut tant bien que mal aider ces entreprises-là à se relocaliser. Dans bien des cas, ils quittent la région entièrement. Donc, notre espoir, c'est que la situation se règle. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est on est très conscient, on veut que la situation se règle. Puis on espère qu'une fois que la situation va s'être réglée et qu'il y aura un déménagement, bien, la bonne situation va s'améliorer. Le point du conseil, c'est que M. Thompson puisse avoir une approbation de la CPTAQ pour se relocaliser. Je pense qu'il y a deux... Donc, il est il avance dans le processus d'approbation avec la CPTAQ. L'objectif, c'est de déménager dans une ancienne carrière sur le territoire de la proximité de son lieu d'opération. La municipalité appuie M. Thompson. Nous, on veut, des problèmes, des conflits d'usage qui se sont installés au fil des décennies, on en connaît un puis un autre à la pêche. On sait qu'il y a un resserrement réglementaire, tout le monde. Autant au niveau provincial que dans la conscience citoyenne. Les gens, il y a des choses qu'on tolérait anciennement, qu'on ne tolère plus. Mais là, il faut. La municipalité, on veut tant bien que mal aider ces entreprises-là à se relocaliser. Dans bien des cas, ils quittent la région entièrement. Notre espoir, c'est que la situation se règle. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est on est très conscient, on veut que la situation se règle. Puis on espère qu'une fois que la situation va s'être réglée et qu'il y aura un déménagement, bien, la bonne situation va s'améliorer. We will never move past the problem. He keeps bringing trucks and backhoe, and the other day again a big excavator there that shakes the property, my property, underground. Mm-hmm. That means my property is getting damaged with all that, right. all this nonsense. Right. And anyways, but I mean, like you told me in an email, Pamela, about 2 years ago, that I should have known about the noise because it's a known enterprise around. That means I have that on an email. I didn't know about all that noise with the big excavator and all that. I mean, I knew Mr. Thompson 25 years ago when I was living on the road. I mean, but I never had a problem with that. I mean, this is the problem, anyways. C'est vraiment triste la situation. Puis on est tous avec toi. On est conscient, c'est pénible. But how long for that for him to get a now it's the second time that he's at step two for. I hope, j'espère que ça va se produire dans l'année 2024. La municipalité, le conseil a adopté une résolution pour le supporter dans sa démarche. Le conseil fait tout ce qu'il peut faire. Puis M. Thompson, pour votre information, ne peut plus avoir de contrat avec la municipalité. Il y en a encore? Oui, après les appels d'offres publics, mais de gré à gré et autres, il ne peut plus en avoir. C'est une des conséquences directes du fait qu'il ne respecte pas nos règlements. OK, parce que... Il y avait eu le contrat de déneigement dernièrement. Là, il n'y en a plus, là. Il reste un an. Il reste un an. Il y en a jusqu'à 2025. Le prochain hiver. OK. Hiver 24-25. Il va y avoir contrat 2025 encore? Le prochain contrat? J'essaie de savoir, parce que je veux savoir s'il va placer tout son équipement de déneigement sur la propriété encore. Oh. Oui, c'est parce que c'est ça qui arrive. Contrat de déneigement, il amène tout tout son équipement de déneigement sur la propriété. C'est ça qui arrive. Ça, c'est un de mon autre problème aussi. Non, là, anyway. OK, bon, anyway, je vais attendre après une réponse, puis c'est ça. Fait que mes deux cas, je t'en ai parlé. Merci. Ensuite, il y a Mme Monique Wistel. Bonjour.
bon, tout le monde. Je me présente devant vous parce que mes courriels concernant les travaux sur le chemin Gauvin sont sans réponse. On nous dit que le projet consiste principalement à corriger et améliorer les travaux faits en 2019, sans nous donner plus de précisions. On nous avise qu'on nous avisait en avril qu'on recevrait le mois prochain, donc en mai, une première communication par la poste, une autre suivra, devra arriver avant le début des travaux afin de nous en informer. Sans encore nous donner des détails de ce qui va se passer, on n'a rien reçu à date. J'ai fait une demande d'accès à l'information. Les documents qui auraient été informatifs nous ont été refusés. Ils ont dit qu'ils sont non accessibles. J'ai su à travers les branches que les travaux de remblai et de déblai pour corriger un chemin de fin allaient se faire. Un chemin riverain. Sans toutefois donner des détails. La municipalité a organisé une session d'information pour informer les résidents de Chemin Riverside des travaux à venir. On retrouve sur le site de la municipalité les renseignements sur ces travaux ainsi que celui du chemin d'Alerne, soit la date des travaux, la localisation des travaux, l'identification des travaux, la circulation et les noms des entreprises qui effectuent ces travaux. Je cherche sur le site web de la municipalité Chemin Gauvin, on y indique le réaménagement de la chaussée. Encore pas de détails. Monsieur Léry, est-ce qu'à ce point-ci, on sait quand les travaux sont pris? Non. Non, OK. Pourtant, ma compréhension, c'est que, tu sais, moi, le dossier du chemin Gauvin, je le suis depuis la non-conformité environnementale. Je l'ai rencontré, vous, je suis allé sur place, j'ai eu plusieurs rencontres. Sur Zoom, etc. Ouais. C'est dommage qu'on vous ait dit qu'on vous transmettrait quelque chose en mai, mais qu'on ne l'a pas fait. J'imagine que derrière ça, c'est qu'il y a peut-être un mauvais calcul de la gestion du temps. Comme je comprends qu'il y a des gros chantiers en cours. Moi, c'est clair, puis je le répète, puis c'est la même chose que Mme Larocque dit depuis l'enjeu en 2019. Puis c'est un long processus de correction, juste l'approbation de la correction. Là. Mais dans ma tête, à moi, c'est clair qu'il doit y avoir. C'est un dossier épineux pour lequel on a eu une non-conformité, donc vous devez être bien informé de ce qui va avoir lieu. Je pense que c'est vraiment juste une question de temps. C'est clair que les travaux ne sont pas prévus pour demain matin. Vous allez être informé de ce qui est prévu. Là. Il devrait y avoir le même type d'informations. Puis je comprends, je reconnais que ce n'est pas de même ampleur. C'est pas un travaux de même ampleur. C'est moins de gens, c'est de moins grande ampleur au niveau du nombre de kilomètres touchés, mais étant donné qu'il y a eu une non-conformité et qu'il y a eu plusieurs problèmes soulevés avec les travaux qui ont été effectués en 2019, c'est clair que ça nécessite une attention particulière. Donc, je ne sais pas si Marco, dis-moi si je me trompe. Non, c'est tout à fait juste. Donc, c'est le même processus qui est prévu pour informer les citoyens, sauf qu'au moment où on se parle, on n'a pas le certificat d'autorisation encore. Les plans de vie sont en conception de l'eau. Pour Gauvin? Vous parlez de certificat de. Pour le chemin Gauvin? Oui. Oui. Le certificat d'autorisation de l'environnement, vous l'avez reçu pour votre. Oui. Marco, je ne sais pas si on parle du même chemin. Ils l'ont confirmé en décembre qu'il l'avait reçu. Oui. Moi, je pense que. Il faut que je soumette au ministère les plans de vie finaux. Je suis en train de les faire au moment où on se parle. La firme, l'ingénieur conseil est en train de les finir. Et on parle du chemin Gauvin avec parce que je sais qu'il y a des enjeux avec les ponts remplacés. Je me suis dit, mais là, on va. Je parle vraiment du chemin Gauvin, justement. OK. Donc, l'environnement m'avise, j'ai la lettre qui a été envoyée à la municipalité parce que j'ai fait une demande d'accès à l'information à l'environnement parce que je n'avais pas de réponse de la municipalité. Ils m'ont soumis la lettre qui a été envoyée à la municipalité disant que l'autorisation avait été donnée. Il n'y avait pas question de nouveau débit,
Il n'y avait pas de question de... Okay. Il a même demandé un calendrier des travaux et un calendrier de remise sur les... OK. Puis, pardon? Il n'est pas respecté. Ben non, parce que c'est de octobre 2023 à avril 2024. Mais moi, en tout cas, la question est que moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur ce dossier-là parce que, à ma connaissance, on avait les certificats requis. Donc là, je voudrais comprendre, on pourra nous expliquer qu'est-ce qui manque encore. On aimerait comprendre puis quand qu'est-ce que vous allez faire. Oui, je sais. Puis en fait, on vous a déjà montré, moi-même, je vous ai déjà montré des plans. Puis là, il y avait même des suggestions. Le ponceau de tel, tu sais, je m'excuse, mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Vous avez eu plusieurs communications du département. C'est pas vrai que vous n'avez pas de réponse. C'est comme. Mais mes derniers. Je comprends, mais il y a eu beaucoup. Je comprends, mais il y a eu beaucoup de communications depuis. Puis là, c'est comme on arrive au dernier mille, tu sais. Puis une fois qu'on a une idée claire et nette et précise, tu sais, des travaux, on voit, tu sais, il y a en bout de ligne, on veut que ça se passe bien, mais tu sais, on veut que les gens soient satisfaits des travaux, là. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a jamais eu de communication, puis je me rappelle très bien. Vous n'avez pas de réponse, mais vous avez des réponses. À un moment donné, les travaux publics, là, comme les gens ne sont pas satisfaits des réponses qu'ils leur donnent. Tu sais, mais. Oui, sauf que. Oui, mais moi, je me rappelle. Que ça vous prenne encore un autre année, ça, c'est correct. Mais moi, je veux pas que vous entamez encore d'autres affaires et que ça soit pire. Je comprends. Vous avez dit que vous avez fait des chemins. Oui, effectivement, on a eu des eaux. Puis on vous disait, c'était quoi nos préoccupations? Oui. Moi, numéro un, mon puits. Oui. Personne n'est jamais venu voir mon puits. Personne n'a jamais parlé de mon puits. Bien, ça. Là, si vous avez des plans, j'aimerais que le plan dise, effectivement, Linda, ça ne changera pas votre puits. Il n'y aura pas de contamination. Vous dites que personne n'est allé voir votre puits. Vous n'avez pas vu personne aller voir votre puits. Ça, c'est une autre. C'est différent. Là, mais pourquoi vous ne pouvez pas juste nous dire que quelqu'un est allé et qu'ils ont constaté que. Pourquoi c'est toujours. Il faut qu'on reprenne et dire. Ouais. Mais sont-ils allés? C'est pas moi qui. Effectivement, c'est pas vous. Non. C'est pas à moi non plus à dire exactement OK, monsieur le contremaître, puis toi, appelle madame, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, vous êtes une entreprise. Non, mais c'est pas... Il y a des enjeux de... Oh. Ouais, mais c'est... Travailler avec le public, puis si je n'aurais pas répondu à des courriels ou des choses, je serais dehors. Tu sais, je veux dire, c'est le respect. Ouais, mais... Vous suivez, puis vous dites, on n'a pas encore d'enjeux, on vous revient. Okay. Mais vous ne revenez pas. Ouais. C'est ça, la part, vous ne revenez pas. Un an, c'est long à attendre quand on sait qu'il y a eu des certificats qui ont été émis. Ouais. À ce soir, on ne veut pas chialer. Tout ce qu'on veut savoir, oui. What are you guys going to do? What is it? You do it in August? You do it in September? That's not... Mm-hmm. What is it? Is it going to affect my well? Is it? That's what we want to know. Mm-hmm. You know, I don't care who's doing it. I just want to know what's it going to do to my property. OK. Il y a les enjeux par rapport au chemin. Là, selon l'information que j'ai eu l'environnement, semblerait c'est tout le chemin Gauvin à partir du coin quand tu arrives à 306, tu vires à gauche au Gauvin, on va prendre mi-chemin là, en descente à côte. C'est le vélo qui ont été. Les références ont été faites à trois lots en particulier sur le chemin. Donc, vous avez l'intention de partir et faire les travaux tout le long du chemin Gauvin, c'est pas juste pour corriger chez nous. Mm-hmm. Vous allez entreprendre des travaux sur d'autres parties aussi. Une question pour mes collègues. Moi, j'étais absent, là, je reviens de vacances. Mais est-ce qu'il y a eu une présentation détaillée au conseil sur les travaux qui auront lieu sur le chemin Gauvin? Pas encore. OK. Donc, voyez-vous. C'est juste ça, un courriel. On est rendu à l'étape que ça va être présenté au comité. Mm-hmm. C'est tout. C'est correct, okay. C'est pour mais arrêter de nous dire que les travaux vont se faire cet été. Ben, en fait, ça ne feront pas cet été, c'est sûr et certain. Si vous avez soumis les débits, si les gens doivent se soumettre pour faire les travaux, parce que c'est des travaux à l'externe. Pas nécessairement, mais bon. Mais il y a des. Est-ce que le contrat a été donné? Non, mais ça, la saison de travaux, ça s'étend jusqu'en novembre. On est au début juin. Donc, nous.
C'est dans le plan de travail, juste qu'on vient que malheureusement, on n'arrive jamais à faire tous les travaux prévus à chaque année, il y a toujours quelque chose. Mais dans les documents de planification que le conseil adopte, le chemin Gauvin, il apparaît. Puis jusqu'à ce qu'on trouve le contraire, les travaux sont prévus. Les travaux sont prévus cette année, mais le calendrier, ils ont été prévus de la saison des travaux. Moi, je suis convaincu que vous allez obtenir l'information que vous demandez dans un temps porteur avant que les travaux soient réalisés. Maintenant, je n'ai pas plus d'informations, comme vous pouvez constater. Je peux vous dire plus que ça. Comme pour l'instant. Nous répondons juste que ça va être corrigé et amélioré les travaux, puis que c'est un gros plan de chemin. Nos inquiétudes ne sont pas entendues. Oui. Mais il y a des limites à ce qu'on précise exactement ce qui va avoir. Le site web, c'est pour. Il y a une différence. Le site web, c'est pour aviser l'ensemble des soins de la pêche de ce qui est globalement prévu sur le territoire municipal en période de travaux estivales 2024. Je comprends que vous êtes dans une situation bien précise où vous avez des enjeux très précis et que le niveau de communication n'est pas le même. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une rencontre. Avec les gens concernés avant les travaux. C'est pour ça qu'on planifie de faire de cette façon-là. En général, on n'a pas besoin de faire ça, c'est assez standard, les travaux, on répare un chemin. Je comprends, dans une situation distincte, il y a eu une non-conformité. Je me répète. Mais M. Néry, dès que l'équipe est prête à informer les citoyens du secteur, ben, il nous rencontre pour être prévu une certaine information. Je comprends que les travaux vont être faits pour corriger les erreurs qui ont été commises en 2019. Mais ces travaux-là ont eu des impacts sur nos terrains. Moi, mon entrée n'a pas été allongée comme toutes les autres entrées. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, « Moi, je n'ai pas vu de problème. Ouais. Je n'ai pas cette allonge-là. Je ne peux plus descendre mon bateau parce qu'on a 2,5 pieds de roche. » Ouais. Pour qu'on ait été chez un voisin, un petit coin qui est là, on descend nos équipements. Ouais, ben, là, les chemins, ils passent le grader, ils passent la grappe. Ouais. Puis là, le chemin est à peu près 6 pouces plus bas. On a des écoutements, il pleut, l'eau va descendre dans mon entrée. Madame Roussel, moi, depuis que je suis en contact avec vous, c'est la dernière chose que je veux dire là-dessus. Là. Vous avez soulevé un nombre d'enjeux qui ont ensuite été transmis au service en question. Vous n'avez pas encore eu tous les réponses que vous cherchez, en effet. Mais les travaux n'ont pas encore eu lieu. Est-ce que vous avez d'autres questions? À suivre. Merci. Il reste une question. Celle de Mme Eva Meyer. J'ai imprimé ma question, mais ça n'a pas été fait. Alors, vous avez de la chance, de la mémoire, peut-être oublié. Récemment, j'ai traversé le passage de piéton à l'autre côté du pont couvert. C'est un long diagonale, peut-être que vous connaissez. C'est un peu dangereux. Parce que quand on débarque, on ne peut pas voir les voitures venir. Récemment, mon voisin était presque frappé par la voiture. Oui, c'est très long. Il n'y a pas de signalisation routière qu'il y a cette. Puis je ne sais pas pourquoi c'est comme une diagonale comme ça. C'est très long. Et j'ai regardé, je pense qu'il y a assez de place pour mettre. Peut-être des marques sur le côté qui traversait normalement, là, comme direct, pas diagonal. Je pense que c'est important que quelqu'un aille le voir parce qu'on pourrait avoir un accident. Est-ce que j'ai droit à une autre question? J'ai toute une liste, mais j'ai oublié à la maison. Sur le piste cyclable, proche de l'école à Wickfield, il y a un gros pan un peu raide. Juste en bas, souvent, quand il pleut,
il y a un trou d'eau qui traverse d'un côté à l'autre. Et je pense que c'est très facile à corriger, c'est juste à enlever un peu de sable sur le côté, puis l'eau va sortir, puis aller dans le... à côté. J'ai même pensé d'apporter une pelle, mais je pense que c'est un peu trop. Ça va être vite fait avec un bateau ou un petit excavateur. J'avais aussi une question sur les poubelles publiques en ville de Winfield. Deux choses. Une question, c'est pourquoi est-ce qu'on les enlève pour les bains? Il n'y a pas de poubelle. Et on a des déchets en hiver aussi. Moi, je parle maintenant du pont ouvert. Il enlève toutes les poubelles. Souvent, il y a des choses que les gens, les visiteurs vont juste laisser. Mm-hmm. Alors, ça, c'était une partie de question. L'autre, c'est pendant l'été, dans la ville, les fins de semaine, les poubelles débordent. Parce qu'on a tant de visiteurs. Et j'ai parlé avec un autre citoyen, puis on était prêt à venir les vider pendant le samedi soir, s'il y a une place pour mettre le sac. Mm-hmm. C'est sûr qu'on ne peut peut-être pas avoir des camions, mais peut-être qu'il y a un autre moyen de que quelqu'un vienne juste enlever les sacs et remplacer. Ouais. Moi, je suis prêt à aider avec ça. Oui, il y a quelques années, on a, en fait, les poubelles, les petites poubelles circulaires, c'est clair qu'il n'y en a pas suffisamment, tu sais, puis la cadence de ramassage, tu sais, l'option préférée, c'est, puis ce qui est plus facile à créer avec l'entrepreneur, puis au niveau des coûts, c'est d'ajouter des bacs roulants. Donc, puis il y a eu des ajustements il y a quelques années, si c'est pas suffisant, mais là, les équipes de parc exposeur devraient ajuster le tir, mais on pense que les petites poubelles circulaires ne vont pas régler la problématique. C'est juste trop de manutention pour la quantité de visiteurs. Donc, il faut vraiment ajuster avec le nombre de bacs. La réunion était longue. J'ai une autre question, mais est-ce que c'est assez? Oui, allez-y. C'est au sujet de... j'ai fait une demande pour mon permis de construction sur la chemin de la Légion. J'étais ici il y a quelques mois. Là, j'ai abandonné parce que les délais étaient très longs et j'attends encore des informations. Mais j'aimerais vous dire que j'ai dépensé plus que 10 000 $ pour rien parce que j'ai un milieu potentiel, c'est pas prouvé encore. Prouvé. Quand j'ai fait ma demande de démolition, j'aurais bien aimé que peut-être quelqu'un a pu me dire à ce moment-là, écoute, là, vous avez une propriété qui est problématique. Et je suggère que peut-être ce sera l'idée de, avec le nouvel règlement environnemental, est-ce que je peux parler en anglais sur la légalité? OK, merci. Thank you. I think with the new rules and with the map, that's LIDAR, I think it's called, where you can see all the low spots in the municipality, and then maybe also all the people that have homes that are too close to water already, perhaps that some kind of information letter is sent out saying, by the way, if you ever need to build, be aware of this new reglementation, because, I mean, if my house burnt down, I might not be able to rebuild. It's that bad with the new laws, and my property value also has diminished. Mm-hmm. So I just feel like it would be a good idea to have some information. Maybe I missed it, but inform people that have properties that are affected that way. Because okay. I could have avoided making plans to build if I'd known. Thank you. OK. On va y aller avec la notion des procès-verbaux.
La séance ordinaire du 6 mai, ce que j'avais proposé, proposé par Mme Ross et M. Claudio. Dans les documents déposés, un dépôt de rapport d'activité pour les gens qui avaient participé aux élections municipales de 2021, et voilà, les documents qui se rajoutent, puis aussi, comme je disais, un rapport sur l'Assemblée publique qui a eu lieu mercredi prochain qui est déposé. Autorisation de paiement des factures pour le mois de mai, est-ce que j'ai un proposant d'un acteur pour Mme Pamela, ça peut être M. Claude Gou, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté de l'unité. Annulation de facture, est-ce que je vais un proposant? M. Richard Javet, puis Mme Ross, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. On passe ensuite à Greffe Affaires Juridiques, Direction Générale Adjointe, adoption du deuxième projet de règlement, numéro 429-009-2024, pour modifier le règlement du nom 03-429. C'est ça a été retiré. Donc, en 5A, d'augmenter la densité résidentielle de la zone RA303. Est-ce que j'ai un proposé? M. Gibault appuie M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dans le même ordre d'idée, cette fois-ci dans la zone A604 et AB605, pour modifier la limite des zones A604 et AB605 qui vont permettre une densité moyenne sur la partie visée. Donc, il y a un secteur avec une certaine densité permise, puis on vient modifier la délimitation de la zone de juste à côté pour permettre un projet pour quatre unités. Il y a une présence, dans les deux cas, il y a une consultation publique cette semaine. C'était jeudi soir, ici, au complexe sportif. J'ai un proposeur pour 5B, proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Ross. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, la promotion du dépôt du projet de règlement pour la garde de poules vendeuses pour y inclure les vaches d'écailles, puis on s'assurera de préciser au niveau du nombre. Donc, c'est quelqu'un qui peut donner la dimension. Madame Larocque, la dimension. Adoption du projet de règlement numéro 900-003-2024. Relatif au projet pilote sur les cuisines saisonnières et le commerce de produits artisanaux, dans le but de prolonger la durée du projet pilote et la portée territoriale. Donc, on constate qu'il y a eu un succès avec le projet pilote qui a eu lieu l'an dernier dans le secteur de Wakefield. Puis on rajoute certaines zones sur le territoire municipal, entre autres dans les zones multifonctionnelles. Les conditions sont à peu près les mêmes. Et on va y avoir une entente avec un commerçant existant pour offrir un service de cuisine qui est associé à l'entreprise existante. Et où il y a des parties du territoire dans le tiers multifonctionnel qui ont été ajoutées. Donc, on prend alors la durée du projet pilote proposé par Mme Ross et M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ça a été à l'unité. La promotion et dépôt du projet de règlement numéro 111-002-2024, modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures. Je pense que suivre les pas de plusieurs municipalités là, qui veulent en fait se coller davantage à une approche qui est plus systématique pour le règlement de dérogations mineures. Donc on vient simplement dire que les demandes de dérogations mineures ne seront plus acceptées là, en deçà du 15 mètres de la bande vraiment. Au lieu d'avoir une distinction entre le 10 mètres et le 15 mètres selon les pentes, on maintient là, ce qu'on faisait depuis un certain temps. Donc on vise le 15 mètres. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus au comité consultatif d'urbanisme. C'est un dossier qui est réfléchi depuis un certain temps. Donc c'est la recommandation du CCU et du comité de révision des règlements. Est-ce que j'ai un conseiller pour donner l'animation? M. Pierre Lebel de l'animation du dépôt du projet de règlement. En 6A, modification de l'annexe du règlement 15-683. Sur le règlement de planification, donc on modifie
la section F, loisirs, tableau 2, location patron et salle des jardins. Est-ce que vous avez voir les tarifs qui sont indexés à peu près à chaque année là, pour développer les fonctionnements? Est-ce que j'ai un proposeur pour le dire, un proposeur à dire, un proposeur à M. Lebel, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça le soutien à la communauté à l'adoption du protocole de l'association de baseball amateur de la pêche. Donc, c'est un renouvellement du protocole qui existe depuis de nombreuses années avec l'association de baseball. Est-ce que j'ai un proposé par M. Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va y aller avec la deuxième période des questions. Je ne sais pas si c'est des qui. C'est bon. On a. Oui. Il y a de terrain de jeu à Tuyo. Oui. Mal terminé. Puis ils ont installé des lumières. Les lumières s'allument automatiques à 8h le soir. OK. Ils s'éteignent automatiques à 11h le soir. Mais les soirs, que ça éclaire de rien. OK. Il y a rien qui se passe. Il y en a beaucoup. On dirait que c'est ça. OK. J'aimerais ça que. J'avais déjà proposé, quand il y avait eu une consultation publique au niveau des modifications du terrain de jeu, qu'il y ait des interrupteurs, des poteaux pour qu'on puisse avoir accès, puis que les gens puissent les allumer au besoin. Parce que les gens, ils savent comment utiliser un interrupteur, ils en ont tout à la maison. C'est ça. Puis là, ils ont mis ça, ils vont réappeler. Moi, je me demande si je pourrais avoir la clé pour avoir accès à cet interrupteur-là pour les éteindre quand c'est pas utilisé. Parce que c'est une pollution lumineuse qui n'est pas tolérée nulle part. Moi, je la subis parce que je suis le voisin direct du parc. Sur ma question, est-ce que vous aviez soumis cette question-là? Est-ce que vous aviez soumis cette question-là par avant? Non. Okay. Présentement, je me demande moi, si je pourrais avoir accès à l'interrupteur ou. Faire installer des interrupteurs accessibles pour les gens. Ça, c'est ma question. Ben, je n'ai pas la réponse maintenant, mais c'est quelque chose à l'énergie. Je comprends. La ville, ouais. C'est plus éclairé que la rue Wellington. Je comprends. Je suis en train de vous dire qu'on dort ça à soi. Ben, c'est ça. Ça a considéré. J'aimerais que quelque chose ait des nouvelles là-dessus. Merci. OK? Voilà. Renouvellement de contrat pour service animalier, donc prolongation en 2024-2025, il y a une révision aussi de du mode de partage au niveau des licences. Donc la municipalité, en fait, c'est avantageux pour nous. On reprend les ventes de licences. En gros, on va payer les estimations qui sont payées un peu moins cher en 2000, dans les années qui suivront. En fait, à partir du renouvellement, est-ce que j'ai un proposeur, proposé par M. Gibault, appuyé de M. Lebel, est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Donc, ça va être l'unanimité. Acquisition et installation de système de rangement mobile pour la salle d'archives. Donc, il y a deux soumissions reçues. Le plus bas, c'est le salaire et si on peut voir à l'écran. J'ai eu la sélection 61 829. Donc, c'est quelque chose qui est prévu dans le projet de rénovation. Est-ce que j'ai un proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est les bébés. Exact. OK. Ouais, ensuite, deux dossiers RH, chargé de projet de développement durable. Ressources humaines. Est-ce que je vois que. Chargé de projet en développement durable, puis ensuite au service des travaux publics, en développement durable, de confirmer l'emploi de M. Buffy. Certaines probations. Certaines probations, en fait, M. Buffy Miran. Moi, je le propose, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer par M. Chargé ou à l'unanimité? Et même chose pour M. Tambour, je le propose. Oui. C'est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Et puis
ça conclut l'ordre du jour. Je vous remercie d'avoir été présent. Encore une fois, là, il y avait un enjeu avec, avec une fibre optique, donc on pourra mettre, on va voir la qualité du tuyau, on va voir si on est capable de mettre en ligne. Je vous souhaite un bon retour à la maison.